En premier, gros nouvelle qui est tombée, c'est une information que nous avons demandé depuis des temps qui est pratiquement tombée, malgré que nous avons pile réserve avec l'information qui est tombée, mais à travers une porte de CBS News qui est arrivée, joint information dans USCIS. Information que jusqu'à présent, comme on dit, que nous attendons pour nous vérifier avec eux directement. Nous avons quelques nouvelles au niveau du nombre de monde qui arrivent ici aux États-Unis pour le programme Biden. Et là, du nombre de monde qui arrivent, nous n'avons pas parlé de Haïtiens spécifiquement, nous avons parlé de quatre pays, dont Haïti fait partie là-dedans, Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. D'après eux-mêmes, ils pensaient qu'il y a près de 100 000 monde qui déjà rentrés aux États-Unis à travers parole ça, à travers programme ça qui commençait depuis janvier. Je pensais que il y a 100 000 monde qui rentraient, mais malheureusement, comme on dit, il y a une bagarre qu'on avait essayé de joindre, c'est des données spécifiques à chaque pays pour que nous soyons capables de vérifier que l'information que nous avons réelle, nous aller en fonction de ça nous est sur le terrain. Oui, c'est vrai, pas bon ici, dans l'état de Massachusetts, c'est chaque jour que la pays recevoir nouveaux familles qui ont venu. Nous connaissons Florida de même, Indiana, New York, chaque jour, gagner une nouvelle famille qui a rentré. Cependant, nous pouvons réellement gagner un effectif réel que nous sommes capables de dire dans 100 000 ça, mais combien Haïtiens qui rentrent là-dedans. C'est une bataille que nous avons fait pour nous capables de ça, pour nous capables de faire connaître. Maintenant, pendant que les 100 000 qui rentrent, il n'y a pas oublié, nous toujours dit, nombre de monde qui appliqué pour le programme est beaucoup plus élevé que nombre de travel authorization que nous sommes capables de faire. D'après les dernières données que CBS News ban nous, par rapport avec nous officiels qui en dedans, nous dit que actuellement là, il y a près de 580 000 qui fait un gros chiffre que nous casser en pile, 580 000 pending cases pour Haïtiens. C'est-à-dire que des cas que pour répondre, nous estimons la 580 000, pour Cuba, nous estimons la 380 000, pour Venezuela, 120 000, et Nicaragua, que nous toujours connaissons, qui est un petit genre pire. En bas dans nos nombres, nous estimons Nicaragua gain 20 000. Et 580 000 pour Haïtiens, un petit genre inquiétant de la mesure que le sondage que nous faisons janvier-février a révélé nous près de 75 000 personnes. Nous ne connaissons pas tout le monde qui remplit le sondage à 6, pour sûr. Cependant, et nous faisons le sondage mars et avril. Entre mars et avril, montrez-nous qu'il y a près de 26 500 personnes à travers le sondage que nous faisons qui attendent. Ça veut dire que là, nous prenons janvier à avril, nous pensons que nous sommes capables de 120 000 Haïtiens qui attendent pour nous répondre. Cependant, nous avons un nombre de 580 000 que nous avons rencontré ensemble avec eux pour nous capables de réellement vérifier le nombre ça pour nous connaître si oui ou non livré. Parce que là, c'est 580 000, nous connaissons qu'un peu de monde attend, c'est certain, mais ça est capable aussi de porter un peu de monde au découragement que nous ne pouvons pas aimer. Ouais. Donc, encore, je dis 100 000 personnes déjà arrivées dans le programme là, et gagner 580 000 captains pour Haïti, 380 000 captains pour Cuba, 120 000 captains pour Venezuela et 20 000 captains pour Nicaragua. Je dis que pratiquement chaque jour qui mettait, je recevais presque 12 000 applications par jour. So, pensez à ça, 12 000 applications par jour, lorsque normalement, nous avons un cap qui est 30 000, ça veut dire que normalement, ça est capable de faire chaque mois, amen, chaque jour, c'est 1000 applications. Si l'étape suivre et sur 30 jours dans un mois par exemple, chaque jour, normalement, il est supposé en process 1000 applications. So, dans 1000 ans, vous imaginez, vous avez 12 000, ça veut dire que nous pas même cas, nous process un yem dans ça que vous êtes supposé processer. Donc, encore, c'est des données nous besoin pour tout le monde et très réaliste en termes de situation et programme. Parce que, comme on dit,
Ça qui passe, c'est que le programme a dépassé ça, il était capable de penser et d'imaginer. Il n'y a pas de penser que le monde a répondu de manière si favorable, si enthousiastique avec le programme. Et c'est ça qui fait nous que nous venons avec un changement que nous avons payé plein en pile de lui-même. C'est changement pour le monde qui attend le bonheur qui est appliqué, qui va jamais tant de réponses. Comme on connaît que actuellement là, le fait que vous avez 1000 applications en moyenne que tu as supposé en chaque jour bah réponse à 1000 monde, sur ça au fait nous diviser en deux 500 qui allait comme on t'explique nous déjà de manière random ou bien aléatoire ou du moins par chance nous choisit 500 et qui est capable de tomber à n'importe qui mois dans le programme de la demande en janvier, février, mars, avril, mai. 500 ça ils choisit de manière une aléatoire et puis l'autre 500 il apprend à partir de date de soumission. Ça veut dire que même j'ai nous conduit dans le langage et blanc, first come, first serve. Ça veut dire que mon janvier, février, on connaît capitaine pile en pile, donc il y a pile espoir pour que nous capables que nous répondons nous et pendant que et nouvelle méthode ça établie. Nouvelle méthode là établie à partir du 17 mai, ça veut dire que c'est un bagage qui est très très récent et ou même qui était capitaine janvier. Depuis qu'on répond, nous fait nous connaître parce que nous besoin sûr que réellement que a répond nous gens que yo dit que a fait programme là pour nous capable kembe yo en accountable comme Jean Blanc dit pour que les audio parole pour yo respecter. Maintenant, une bagaille que yo discuté avec toute autorité yo, c'est qui ça États-Unis a fait par rapport avec tout le monde ça qui a appliqué et aussi par rapport avec limite de 30 000 un visa seulement par mois que vous êtes capable de bailler. So, discussion a commencé à arriver de manière très très engagée dans USCIS avec tout le département d'État pour connaître si oui ou non est-ce qu'il y a obligé d'augmenter le cap là au lieu de 30 000 pour être capable de bailler plus de manière plus large pour permettre plus de monde qui rentre. Faut que moi dire que par exemple, là nous prenons un programme qui t'a fait même programme ça pour Ukraine par exemple. Ukraine pas de cap du tout. As a matter of fact, Ukrainien qui vini dans un programme même type de programme ça, déjà arrivé à près de 120 000 aux États-Unis, yo pas un cap. Ça veut dire que c'est côté pratiquement d'après ça explique nous, côté ukrainien yo appliqué boss là qui répond immédiatement. C'est ça qui fait par exemple, il y a un pile ukrainien qui déjà ici, nous gagnons près de 127 000 ukrainiens qui rentrent dans le programme sans cap. So, idée de sans que pas gagner limite là, sont idée qui déjà existait dans la politique américaine là, pour permettre à nos pays capables d'entrer aux États-Unis. Cependant, le cap à nous, ça qui passe, c'est que pas oublier, m'te dit nous, programme là, il y a pratiquement deux volets. Il y a un volet moun qui a entré, il y a un volet moun qui a déporté. Pendant que il y a permettre moun entrée dans le pays, en même temps, il y a signé un accord avec Mexico qui bon que pour Mexico capable d'accepter moun sa yo qui a retourné. Et contrat, d'après ça, nous comprenons li basé 30 000 a entré, mais 30 000 Mexico a obligé d'accepter 30 000. Ça veut dire qui ça? Pour yo capable augmenter cap là, faut que yo capable aussi changer accord avec Mexico pour que Mexico cap aussi accepter prendre plus de monde. Parce que pas oublier, nous toujours dit nous, États-Unis pas jamais bail sans rien en retour. Le la bail, mais toujours une autre façon pour prendre ça la bail là. Ça veut dire que kounye a pour problème qui gagne, c'est que yes des possibilités pour augmenter un nombre de visas au lieu de 30 000 à plus. Cependant, pour ça fait, il faut qu'on l'autre accord. Est-ce que Mexico, avec notre partenaire qui a signé un accord pour permettre que le capable de prendre monde qui a rentré de manière illégale, est-ce qu'il y a d'accord pour prendre plus de monde? Une bagaille que nous connaissons et très bien, c'est que si jamais, parce que pas oublier, nous gagnons 12 juin,
qui privé sur nous là, qui c'est date qui bon que nous t'as supposé aller dans la cour et dans jugement pour programme pour connaître si programme a continué à si programme a poursuivre. Une bagarre que nous déjà apprendre c'est que Mexico dit si yo campé programme même côté à tout lui même la campé encore pour recevoir 30 000 monde que monde qui a retourné de manière illégale et Bali au Mexique l'a obligé camper tout. Ça veut dire que grand pile bagay k'ap débat là, donc faut que nous rete branché aussitôt comme moi toujours dis nous, aussitôt que nous joignent en information additionnelle, n'a faut qu'on est. Maintenant, nous yo cap fait application. Nous toujours dit que premièrement, une bagay pour pas faire spécialement à partir de et changement ça qui fait là, c'est que faut pas mettre application deux ou trois fois. Parce que non seulement il y a éliminé l'application, mais si vous voyez que vous faites de manière continue, vous êtes capable d'éliminer totalement ni application première là, ni copie. Actuellement là, ce n'est pas application première là qui a éliminé. Il y a éliminé toute copie. Ça nous les dupliquer. Tout le monde qui a posé question, oui, depuis 1 janvier, nous appliquons, nous attendons à rien, qu'est-ce que ça va nous faire? Réponse là, c'est simplement, c'est tendre pour tendre, c'est patience pour gagner, parce que nous pas avoir aucune autre réponse. Pour quelle raison? Parce que nous déjà connaissons que nombre de monde qui est capable de prendre par rapport avec le nombre de monde qui est appliqué, l'irrel n'a pas matché. Si c'est de 30 000 monde qui est appliqué par moi, laissez-moi un mois appliqué, nous avons dit yes. Il y a pour nous. Mais le fait que Kounia nous ait plus de 1,7 million de monde qui ont tant appliqué dans le programme, nous connaissons que la plus difficile toujours pour le monde capable de recevoir, pour tout le monde capable de recevoir une autorisation de voyage. Ce conseil a été le même, pas mettre application deux fois, pas mettre application trois fois, c'est rester avec patience, nous espérer que nous sommes capables de répondre, mais comme nous disons, nous ne sommes pas jamais capables de répondre tout le monde. Tout simplement, même lorsque vous augmentez le cap là, still, on prend tout le monde, vous n'êtes pas capable de répondre. On laisse que vous avez juste dit ouvrir toutes frontières et puis tout haïtien, dégagez, prenez un avion venu. Mais sinon, si ce n'est pas un processus, nous voulons que tout le monde réaliste, pour qu'on connaisse que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'entrer dans le programme à cause de limite câble.